Joli coup d'effilé réalisé par la police nationale congolaise en connivence avec la 22e région militaire du Haut-Katanga. Il s'agit de l'arrestation du chef milicien le plus recherché du nom de Kazadi Chiama, son garde du corps Josué et toute sa bande, dont un hébergeur et sa femme. Ce jeudi 8 août 2019, ils ont été présentés au gouverneur de province Jacques Kabula Katwe, qu'assistait le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba, en présence des autorités militaires et policières. Dans les gibecières de ces soi-disant lieutenants généraux d'un mouvement insurrectionnel, avec comme rêve de déchoir le gouvernement provincial et faire du Haut-Katanga une étape à part entière, on y trouvait des effets militaires, les armes blanches et des gris-gris, signe de protection corporelle. Pour l'autorité provinciale qui s'adressait au groupe, ce rêve est utopique et l'acte corrobore avec les banditismes que combat le gouvernement provincial. Je m'en appuie, je m'en effort perdu. Province Haut-Katanga, na lazimiwa salama. Amuna na place umu Haut-Katanga par rapport à ile objectif yeye. Na aita wezekana mbele mwe benye mweke mkitu mutaikata je. Mutayukata je, même quand on a nommé comme général, comme général, utakombania wapi, utaifanya nini. Donc il est munafanya ni banditisme. Tout de suite après, ils ont été mis à la disposition de la justice pour déterminer leur sort.